Wow, attendez, je m'attendais pas à ce que le flash de Snap il soit aussi fort pour mes yeux. Aïe, 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 mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous, peu importe le moment à laquelle vous visionnerez cette vidéo, n'hésitez pas à apporter un maximum de support pour cette future célébration qui va arriver. C'est la hype atomique là. Déjà, pour vous situer un petit peu dans le contexte comme d'habitude, le début de la vidéo il est un peu désastreux, mais en gros je voulais vraiment vous mettre de ma POV, c'est-à-dire que moi, avant d'aller me coucher, généralement je vais sur X et je scroll un petit peu ma TL pour voir ce qui se passe, et là, vlatipa que au bout de 5-6 minutes, je découvre quoi ? Et bah qu'il y a une vidéo qui a été postée sur le compte officiel de la version globale et de la version Jap, qui tout simplement a montré les artworks du futur DDF des millions de téléchargements, à savoir Goku Vegeta Blue qui se transforme en Vegeto Blue, et derrière un Zamasu fusion avec Black Goku. Pouah, la hype, elle était au max. Dites-vous que j'étais sur le point de m'endormir, ça m'a réveillé. Après, je voulais continuer un petit peu la vidéo de mon point de vue là-bas, mais en fait, avec le flash avant sur Snap, mes yeux, ils ont pris un flashbang et c'était pas possible de toute façon. J'étais censé me lever pour tourner une vidéo, donc là, je suis bien dans les bonnes conditions. Ça va être compliqué d'aller me lever tôt ce matin pour aller au sport, mais c'est pas grave, là, franchement, si on peut faire une exception tranquille, j'irai un petit peu plus tard. Du coup, ouais, ça fait une demi-heure que la sphère Twitter et... enfin, la sphère X est un petit peu on fire comme moi. La hype est au max du max. Ça confirme bien que, du coup, les millions de téléchargements cette année, c'est autour de la saga future DBS. Hein, ça sera pas saga de sel, les gens qui étaient là en mode non, c'est bon, Vegeto Blue. Non, y a pas de ces noms Vegeto Blue, y a pas de ces noms Black Goku, vous rêvez de je sais pas quoi. Non, y a pas non plus 4 Trunks dans la même célébration. Arrêtez, maintenant c'est bon, c'est confirmé, on l'a vu, on est content. Et on va pouvoir regarder cette vidéo ensemble aussi parce que je l'ai pas encore visionné. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des avances rapides pour pouvoir vous faire des cap. Attendez. Imaginez, genre, ils ont fait comme la semaine dernière, l'année dernière. Pourquoi ça bug ? Ça record ? Oui, ça record. Désolé, cette vidéo, elle est faite à l'arrache, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas quoi que ce soit. Il est 5h30 du matin, j'étais censé dormir, donc ok. Par contre, j'aimerais bien juste la vidéo, elle se lance vite fait. Ok. Et il y a le frérot ici. Mais attendez. Ok, en vrai, moi, j'ai une théorie sur cette fin de vidéo. Ok, j'étais pas sûr, mais du coup... Ok, bah ça confirme la théorie, ils ont fait comme l'année dernière avec Cooler, Freezer, No Brother. Ouais, ils ont vraiment fait ça. Bon, vas-y, on va se taper le Dokkan Now ensemble. Bon, j'aurais bien aimé découvrir ça en stream, mais NPNP, on le découvre aussi à 6h du matin, c'est pas plus mal. Et ça part de là, du coup. Après, on peut aller directement sur la partie qui nous intéresse en ce moment. Ouais, ça c'est par rapport au 27 août à 4h15, il y a le Dokkan Now. Et d'ailleurs je serai en stream pour faire nuit blanche, parce que si tout se passe bien, si c'est le même schéma que l'année dernière, on va avoir le Dokkan Now qui va être reveal à 4h15 du matin, enfin en tout cas très tard le matin. Et quelques heures après, on a les portails qui arrivent et moi je compte démarrer mon live en début de soirée. Et le terminer certainement vers les alentours de midi 13h, comme ça on peut invoquer ensemble, on est full hypé et tout, et ça va être la folie. Voilà, là il dit rendez-vous sur ma chaîne Twitch dimanche, c'est twitch.tv/sooven, à partir de 21h-21h30. Vous avez le lien dans la description. Et le lien de la chaîne secondaire aussi qui est disponible, parce qu'il va avoir du contenu très bientôt. Là, je sais pas ce que c'est. Je vous avoue que j'aimerais bien savoir lire le japonais, mais bon. Ok, on va peut-être avancer. Ah, attendez. Là, il a dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Et n'oubliez pas de boire 1,5 litre d'eau par jour aussi, surtout en cette chaleur, il fait très très chaud, donc c'est important de s'hydrater correctement. Quoi, c'est l'event virus?
Non, en vrai, je sais pas, mais ça doit être un événement ou des missions pour récupérer des ressources. Oh, elle est stylée la typographie. Ouais, j'aime bien la typographie là. Avec l'art d'or de Mai, le fameux. Ah oui, là il dit que si on veut progresser dans la vie, il faut savoir être régulier. Putain, c'est vraiment un motivateur, hein. Il est gentil. Ça, ah, c'est ça que j'attendais. Et c'est ça que je voulais vous dire en début de vidéo, parce que moi j'avais avancé la vidéo vite pour pouvoir prendre des screens et les poster directement sur X. Mais là du coup je vais pouvoir découvrir les animations. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, n'empêche. Mais on n'était pas si loin, hein, de la réalité. En vrai j'avais déjà fait l'hypothèse du Goku Vegeta Blue qui transforme en Végéto. Je l'avais dit dans la vidéo en plus, qui est sortie il y a même pas une semaine. Et même au niveau des artworks, il y avait un fanmade qui avait été fait. Et je vous assure, il ressemble de fou à cette version là. Pardon, j'ai des remontées de chips. Un peu dégueulasse dit comme ça, mais bref. Je sais pas si je peux retrouver l'artwork, attendez. En vrai de vrai, ça doit être sur mon X, je vous montrerai après au pire. Ah non, je l'ai pas posté. On s'en bat les couilles, mais en tout cas, il y a un fanmade qui a été fait qui ressemblait grave à celui-là et... C'est trop beau. Ah, en vrai de vrai... Même au niveau des animations, c'est vla bien animé. Bon, alors celui-là... Ah là 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 là... Théma... Non... En vrai, c'est grave fluide, hein. Ah bon... En plus, l'animation, elle dure super longtemps, des deux. Et là, c'est pour Gata Isamasu. Attendez. En vrai, ouais, c'est fluide de fou, là. C'est où, ça? C'est sur celui-là, je l'avais vu. Genre là, les éclairs qui viennent. Incroyable. Ok. Maintenant, faut qu'on regarde celui de Zamasu. Black Goku, fusionné, corrompu, Merged. Waouh, ouais, le plan. Oh là là, l'aura de rosée derrière. Les petits éclairs. Le vert bien kaki qui fait penser à la faille. Et ça aussi, en vrai, c'est une dinguerie. Hein. Toutes les têtes de Zamasu. Mais non, mais ça, c'est trop la folie, en vrai. Hein. Ouais, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Ils se sont régalés. Quoi? Waouh. Non, en vrai, là, on est sur des artworks, mais tellement bien foutus. En vrai, c'est dans le même style que genre Metal Cooler LR Endurance, Janemba Extreme, Endurance LR aussi. Mais c'est encore plus là, parce que les animations, il y en a plusieurs et ça dure longtemps. Ah, ils sont trop beaux. C'est quoi après qu'ils disent? Ouais. Et ça, c'est la musique. Attendez, bah du coup, go découvrir la musique ensemble. Potala, potala, skatala. Blue,
ドラゴンボール Z ドッカンバトル全世界同時キャンペーン間もなく。ポラララ。Moi je dis ポラララ。En vrai, le montage, il est bien. Après, en termes de rap, je connais pas les paroles, tout ça, mais lâchez pas Dokkan Battle en tout cas. Hein. C'est pas pour critiquer, je suis un très mauvais chanteur aussi, mais. Vas-y, c'est... Non, en vrai, je suis aigri, je pense que c'est mon son de rap préféré là. Non, il y a des plans, ils sont magnifiques. Même en plus, on reconnaît les artworks qui viennent de Dokkan, les animations qui viennent de Dokkan. Ouah, je suis tellement refait. On va avoir en plus, je pense, plus tard, du coup, une P2 avec Trunks. Je sais pas si on aura le droit, par contre, du coup, à un Black Goku. Je m'attendais aussi quand même à un Black Goku. Après, je savais aussi qu'il allait... En fait, genre, je voyais plus un Vegeto Black Goku et un Trunks Gatai, mais en soi, l'option, elle est pas encore annulée. Hein. C'est encore possible qu'ils nous sortent un nouveau Black Goku. Mais là, dans tous les cas, même s'il y en a pas un, le fait qu'ils aient annoncé ces deux-là, là, ça me hype tellement. Même voir Vegeto Blue, là, c'est... Ça y est, les théories, elles sont confirmées. Il y a plus à discuter, à se poser de questions. C'est sûr, c'est ça, en fait. Et ça m'est beaucoup, beaucoup trop bien. Voilà, bon, je suis fatigué. Je pense que je vais aller dormir, mais je vais très, très bien dormir. Du coup, ce soir, c'est trop, trop bien. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo un petit peu nul à chier. On va pas se mytho, mais au moins, bah... J'aurais pu poster ça et vous montrer ma réaction à chaud. Ça m'a fait bien, bien plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Bonne nuit aussi, surtout. Et à très, très bientôt pour du nouveau contenu. Faites-vous bien. Ciao.